Bonjour, je me présente Chris Pagès. Et voici que je vous présente La Poupée chez les ours, une comédie musicale pour les petits que les grands adorent aussi. Par ordre d'entrée en scène, vous trouverez La Poupée Nounours, le hibou, le sanglier qui prépare une recette pour les manger, suivi par ses charognards, puis le singe et enfin Biba, la reine des abeilles, Star Miel et ses girls. Vous entendrez aussi la méchante abeille, les parents ours, puis le lapin, le mauvais esprit de la forêt et la fée. Et pour finir, la chanson des deux amis sera chantée par toute la caravane que mène le chameau. Écoutez la poupée. Écoute-moi, étoile dans le ciel, ma maison est si loin, et j'ai peur sous votre voie de lumière. Loin de mon pays, j'attends un signe, si seul. Un jour inquiète et triste, je pars dans cette nuit. Perdu au fond des bois, perdu. Je ne t'ai jamais vu. Je suis une poupée. Tu cherches à rejoindre mon pays. Je suis perdue ici. Et il est loin, ton pays? Très loin. Il est au bout du ciel, où les étoiles vont cuire des gouttes argentées qui les font si belles. Ah, je vois. Ton pays fait comme un sortilège. C'est lui qui te redonnera ton sourire. Comment connais-tu mon sourire? Qui te l'a raconté? C'est toi. Je t'ai entendu chanter. Je connais tous tes espoirs. Alors, tu sais que j'ai peur. N'aie plus peur. Je peux te protéger. Je suis très fort, tu sais. C'est gentil. Mais qui es-tu? Je suis un ours, très grand, très méchant, et tout le monde a peur. Maintenant, on est amis, tu veux? D'accord. Et voilà! Qui me dérange dans la nuit? Quels sont ces impertinents qui osent interrompre ma promenade? Maman! N'oublie pas que tu es le plus fort! Ah? Oui? Bon. Comment? Mais c'est un ours! Oh! Et quel est cet étrange animal? Je suis une poupée! Une poupée! Comme tu es curieuse, tu ne ressembles à aucun des animaux de cette forêt et je les connais tous. Et faites attention! Là, les enfants, écoutez bien et retenez ce que je vais vous dire. Vous
en aurez besoin pour la suite de l'histoire. Ainsi, vous pouvez aider la poupée et Nounours à retrouver le chemin du pays du soleil levant. Voilà. La forêt a deux visages. Celui des étoiles qui brillent et vous éclairent et celui de la nuit qui vous cache l'horizon. Il faut cibler l'arc-en-ciel. Alors, il faut attendre que les étoiles aient déposé l'aile perle de lumière sous le tapis des nuages. D'où me vient ce repas qui foule maladroitement le sol de mon territoire? Oh, ils ont l'air bien dodus. Ils ont l'air bien dodus. Un régal en perspective. Voilà de la nourriture et un bon repas tout frais, j'ai faim. De quoi faire une mixture d'un ours et d'une poupée. Ha! Tiens, pousse-toi de là que je danse un peu. C'est toi la reine Biba, la plus belle des divas. Serviette du lac. Adieu torchons et cocons, pas trop volés. Le matin je m'éveille, je vois autour de moi que de merveilles. Lorsque j'entends le écartez-vous du chemin. Qu'est-ce que c'est? J'entends du bruit suspect. Qui est-ce? Attention, prêt à l'attaque. Que veux-tu? Bon Dieu, Madame Laveille, tu cherches un pot de miel. Et tu as de quoi le payer? Oh, tu peux travailler pour vous ou vous donner un gentil bisou. Viens. Je vais te conduire jusqu'à la reine. C'est Biba, Biba la belle, elle est notre espoir. Regardez notre superbe star. Yeah. Majesté, qui me dérange? Ah, oh, je n'ai jamais de repos. Tu voudrais un pot de miel magique pour soigner mon ami qui est blessé? Le miel magique? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Le hibou ou? Oui. La poupée Nounours et son ami perdu. La poupée perdue et son ami Toutous. Nounours. Ah! Et surtout ne pas oublier. Oublier quoi? Ne pas oublier, ne pas... Ah! Corne de bouc, le chemin. Le chemin, le chemin. Donc, ne pas oublier le chemin et tourner, tourner, tourner. Et tourner trois fois, sous le rayon. Quel rayon? Ventre bleu.
Le rayon de lune, bien sûr. De lune bleue. Non, vert, vert. Voyons voir. Mais non, de lune rousse. De visage. Ah, méfie-toi. Lequel choisir? Les étoiles ou l'horizon? Cachons-nous, on va bien voir. Viens vers moi, petite poupée. Si tu veux revoir ton pays, tu devras répondre à ma question. Si tu ne réponds pas, tu resteras pour toujours perdue dans la forêt où tu seras ma prisonnière. Regarde-moi. Je suis l'un des deux visages de la forêt. Dis-moi, lequel? Tu n'es pas celui des étoiles qui brillent et nous éclairent, mais tu es celui de la nuit qui nous cache l'horizon. Va-t'en. Maintenant que tu as trouvé qui je suis, ne te retourne pas, ne regarde pas mon visage et suis ton chemin jusqu'à ce que la lune soit rouge. Tu as su chasser les esprits de la nuit. L'horizon s'éclaire maintenant peu à peu. Tu vas pouvoir retrouver ta maison. Je te donne le cheval du ciel pour qu'il t'aide à franchir les dernières étapes de ton voyage. Va, les étoiles te sourient. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir, à bientôt.